Bien, salut tout le monde, c'est J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Tour des Flandres, la Ronde van Vlaanderen 2016, la plus grosse classique pavée belge de l'année. Et là, euh, donc, ça va être tendu de faire quelque chose. L'un des cinq monuments du cyclisme avec milan san Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Le deuxième monument de la saison est présent devant nous avec 258 km de plats et de pavés avec plus de 10, 13, 14, 15 je crois secteurs pavés entre Bruges et Houdenhard euh, avec le vieux Coarmont, le Corterberg, le Tayenberg, il y a l'Eichenberg, euh, regardez, Valkenberg, logiquement là, encore le vieux Coarmont, le vieux Coarmont encore une fois, le Paterberg. le Tayenberg comme j'ai dit. Voilà, c'est vraiment l'une des classiques, on va sélectionner la liste des départs, comme je vous l'ai dit, avant que vous réagissiez par rapport aux de, euh, à la liste de départ euh, de la vidéo, je tourne une semaine à l'avance du départ IRL du Tour des Flandres, à... pourquoi Parce que je pars en vacances et le jour où le Tour des Flandres se passe en IRL, ah c'est le jour de mon vol retour vers la Belgique, du coup voilà, donc il y aura sûrement beaucoup beaucoup de changements, euh, écoutez... C'est pas de ma faute, j'en peux rien, donc écoutez, tant pis. C'est quand même, il y aura quand même les principaux, quoi. Donc voilà. Euh, suivant, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réfléchi pour l'équipe. Alors on a la on va faire le tour. et On va choisir après, voilà. D'habitude je choisis en même temps que avant la vidéo, bah, là, on va choisir maintenant. On a g 2 r la mondiale avec Sébastien turgot et Damien Gaudin. On a la team Astana avec Jakob Fuglsang et Lars Baum. On a la BMC avec Greg Van Avermaet et Tyler Finney. borar 18 avec Ian Bartha. La CCC Sprandy Polkovic avec pas grand monde. Hein, Paterski en leader. La Cannondale avec Sébastien Langevelt et Matti Brechel. On a la Dimension Data avec Edwald de Boissonagen et Tyler Farrar. La Direct Energy avec Sylvain Chavanel et Adrien Petit. La Ethics avec Tom Boonen, Jdenek Stibar et Niki Terstra, Matteo Trentin. Enfin voilà, vous la connaissez l'équipe. Euh, de la ETX, la FDJ autour d'Arne Demar. On aura la Giant autour de Nikias euh, Arne, mais plus autour de Ramon Sinkeldam et de Bert De Backer. La IAM Cyclist autour de Henry Schossler et de Martin Elmiger Dries de c'est également. On a la Lampre Merida avec Sacha Modelo et Roberto Ferrari. On a la Lotto Soudal d'André Greipel et de Jürgen Rulands. Jens de Buchereux également. On a la Team Lotto Enel Jumbo. D'ailleurs, 7, 7. La plupart sont 7. Écoutez, tant pis. Euh, la Lotto Jumbo avec Seb Van Mark, on le connaît, et Tom Van Azebroek. La Movistar avec André Amador. Ensuite, on a la Orika avec Jens Köhler. On a la Rumpot de Michel Kreder La saucisse de Filippo Pozzato. La Top Sport Vlanderen du champion de Belgique euh, sur route. 2016, 2015, 2016, Preben Vornek. On a la Team Katusha d'Alexander Christophe et de Mikhail Morkov. On a la Team Sky de Mikhail Kwiatkowski, le vainqueur de l'E3 d'Aralbeck vendredi dernier. On a la Tinkoff Saxe de Peter Sagan et de Scargato. La Trek segafredo pour Fabian Cancelara qui lui a fait quatrième euh, de l'E3 d'Aralbeck vendredi dernier. Et Marco Marcato pour la wanty Group Gobert. La sauciste me paraît pas mal avec Filippo Pozzato. Après Jürgen Roulans, je vous cache pas que ça peut être du très très bon. On va prendre la Lotto Soudal, écoutez. Donc voilà. La Lotto Soudal euh, pour, euh, pour ce Tour des Flandres. Avec André Greipel qui ne sera pas un leader du tout. Euh, qui, notre leader principal sera Jürgen Roulans. Ensuite, on aura Jens de Buchereux, Tige Benout, euh, Bach. Euh, tout le monde est bon en pavé. Voilà. Donc une très belle équipe. Voilà. Suivant. Du coup, voilà. On est 7. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des... certaines équipes qui ne sont que 7 parce que bah, il n'y a pas la start officielle. J'allais pas inventer des coureurs. Hein, donc voilà. Alors les favoris pour ce Tour des Flandres. On voit le parcours là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 secteurs pavés. Donc j'avais dit 15. Voilà. On a Tom Boonen, Fabian Cancelara, Niki straf Seb Van Mark, Alexander Christophe, Greg Van Avermat, Garen Thomas, Jdenek Stibar, Lars Boom et Jürgen Rulans. Donc voilà, euh, on va se... Tout de suite se donner rendez-vous pour le départ euh, de la course en espérant faire quelque chose avec la Lotto Soudal sur cette ronde van Vlaanderen entre Bruges et Oudenaarde. À tout de suite. somme le Tour des Flandres est certainement l'une des classiques qui fait rêver la grande majorité des coureurs que l'on retrouve au départ de Bruges même s'ils savent déjà qu'ils vont vivre un véritable chemin de croix pour rejoindre Oudenaarde. Beaucoup se voient aussi dans la peau d'un Jackie Durand, vainqueur en 1992. Et à l'époque, mon cher Jackie, vous n'aviez pourtant pas la faveur des pronostics. C'est pour cette raison que les favoris doivent être vigilants tout au long du parcours. Ils essaieront ensuite de dompter les Koppenberg, Tayenberg, pour succéder aux véritables spécialistes de classiques comme Merckx, Museo, Bonnen ou Cancellara. Depuis la disparition du mur de Gramont et du Bosberg dans le final. Les coureurs doivent prendre de nouveaux repères avec l'enchaînement Vieux mont paterberg dans les 20 derniers kilomètres. Donc voilà, on se retrouve après le petit speech des commentateurs. Et on a déjà des attaques. Dès le début de course, là, avec Olivier Nassen de IAM. on a Brameyer, on a Manuele Belletti, et on a Jasper Steuven, le vainqueur de kurne bruxelles kurn cette année notamment, au terme d'une action solitaire très très bien emmenée. Euh, et ils sont déjà partis. Très bien. Euh, bah écoutez, cette année, les classiques euh, qu'on a fait sur PSM, bah, ils, so ils sont tout le temps partis directement. Hein. C'est assez étonnant. Plus de 2 minutes de bah, à... Alors, fleuve, on a Marcel Siebert. Son 73 pavés pavé, ne sera pas leader. Tige Benoît sera probablement l'un des leaders. On sait pas. On a Wallace qui sera pas un leader du tout. On a Lars Bach qui sera un petit leader. Et encore, c'est pas sûr. On a euh, Debuchereux. Si jamais ça arrive au sprint, faut le garder. On a Jürgen Rulands, le leader type de l'équipe. On a André Greipel qui va protéger TG, euh, Jürgen Rulands. On a Lars Bach qui va protéger Debûcherey. Et on a euh, Marcel Siebert qui va protéger Tige Benout. Et Yel Wallace va s'occuper des bidons. Voilà. Et tout le monde est très bien placé aujourd'hui. Euh, voilà. L'échappée est déjà partie. Déjà plus de 5 minutes d'avance à... alors qu'on roule depuis 8 km à peine. Voilà. Euh, regardez. Il n'y a aucun doute, hein. c'est l'une des plus grosses classiques. Le vieux Quarmont, le Paterbeck, le Kreuzberg, le Tyenberg. Pour arriver au Donard, il va falloir être costaud aujourd'hui. Il va falloir être costaud. Euh, énormément d'abandon à mon avis. On est 194 au départ de la course. En IRL, ils seront 200 au départ de la course. Euh, on verra comment ça va se passer. Et moi, je suis sûr que ça va très bien se passer. Et nous, notre but va être de remporter la course avec l'un de nos trois leaders. Jürgen Roulands, de Bouchereux, ou Tige Benout. Euh, les trois autres cyber qui et les bacs seront là pour nous aider Et Yellow Alley sera là pour les bidons euh, Donc voilà euh, Personne ne prend en charge l'échappée En même temps il y a 240 km Je pense que l'échappée va passer Va prendre beaucoup beaucoup d'avance Va limite passer au -dessus, des, au dessus des 10 minutes à moins que ça se mette à rouler déjà Et que ça garde un écart aux alentours des 8 minutes Pour pas que ça déborde quoi Mais ça m'étonnerait Vous voyez déjà 9 minutes d'avance un, un peu près Un peu moins maintenant voilà, 9 minutes d'avance pour l'échapper, euh, après 25 km de course seulement, 30 km allez, un peu plus. Et pour le moment ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de chute, il pleut pas, euh, ah ben bah, il y a une chute, tiens, quand je dis ça, euh, il ne pleut pas, pour le moment sur le tour défendre ça serait horrible qu'il pleuve. Et voilà, plus de 10 minutes d'avance pour l'échapper, mais bon, on est habitué sur des courses de plus de 250-300 euh, km à avoir des échappés qui dépassent les 10 minutes, voire même les 15 minutes parfois et qui sont à reprendre à 40 km de l'arrivée parce qu'il va y avoir une bataille féroce. Dans le final, mais écoutez, il monte le maillot, il monte le maillot devant, donc ça c'est bon pour les sponsors. Est-ce qu'il y a des équipes invitées devant euh, On a la Southcist et c'est tout, hein. c'est tout. La Southcist qui a invité, qui a placé notre ami euh, Manuel et Belletti, avec euh, deux Belges dans l'échappée, un Irlandais et un Italien. Une, une échappée a de la gueule quand même. Hein, on va pas se le cacher. yellow Wallace, voilà, va aller chercher les premiers bidons là derrière. Et voilà, regardez, ça commence à accélérer tout doucement. Ils mettent en route le peloton et l'écart qui se stabilise autour des 10 minutes. Il y a le Wallace qui descend pas tout en bas pour aller chercher le bidon. Le peloton qui est déjà beaucoup étiré. Vous comprenez, on va simuler une grosse partie de la course. 250 bandes, c'est beaucoup. Euh, oh, je pense que là, à partir de ce, le premier secteur pavé, on va faire en foin jusqu'à celui-ci. Après, on va resimuler cette partie-ci. À moins qu'il se fasse des trucs intéressants. Mais bon, jouer 150 km. Je... À, à moins que ça soit comme sur la... La course que je vous ai fait en direct sur le 3 à Rollback ou pendant 150 bords euh, toute la course on a fait x parce qu'il se passait des trucs tout le temps. On verra. On verra. Jurgen roland ce qui en fait je contente, ça fait plaisir. On va pas tarder à arriver au premier secteur pavé. L'écart qui pour la première fois est passé en dessous de la barre des 10 minutes. Depuis que l'écart est monté au dessus des 10 minutes. C'est la première fois qu'il redescend en dessous. Et qui redescend même en dessous des 9 minutes. Donc le peloton a bel et bien accéléré sous l'impulsion de la team BMC, Ethics et Katusha. La trek qui. qui Kanchelara qui est bien protégée devant, mais qui ne se monte pas trop non plus. On va pas tarder à y arriver là. Voilà, dans les, à partir de maintenant, ça va commencer à. à partir en, 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 bi, en biburine. Si, Permettez-moi l'expression. Le, Allez, il y, y a le Wallace, il va aller chercher les derniers bidons. Là on a euh, l'équipe qui va bien se placer pour le premier secteur Il va falloir être très attentif Avec notre euh, Jürgen Ruland. Si deux bûcheurs par contre arrivent à passer Alors là jackpot Jackpot Nos, nos trois leaders façon sont bons en sprint Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Allez le vieux Quarmont Le premier passage sur le vieux Quarmont Ils vont y arriver les échappés C'est parti Premier passage à 148 km de l'arrivée C'est parti pour le premier passage pour le vieux Quarmont 2 km 2 à 4,8% de moyenne en pavé c'est le premier secteur pavé D16 sur ce très euh, réputé Tour des Flandres. Et voilà, c'est euh, un secteur pavé 4 étoiles. Hein, le, le vieux Cormont, le connaît tous. Et, et maintenant, ça va s'enchaîner. Regardez, 10 km plus loin, on aura la prochaine difficulté déjà. Euh, donc voilà, Jürgen Rulans va déjà devoir se placer extrêmement bien pour ne pas prendre de cassures. Parce qu'il peut déjà y avoir des cassures maintenant, oui oui. oui. Vous ne rêvez pas. Alors, Jürgen ce qui est un peu bloqué sur la droite de la route. Ça serait bien qu'il passe. Wow, 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 wow Énorme chute dans le peloton. Juste avant le vieux cormont. De buchereux et Tiche Benoute sont pris dans la chute. Jurgen Ruland s'est passé in extremis. Mais deux de nos trois leaders. Heureusement que le principal est là. Mais la Katusha qui sont forts là. Qui mettent déjà un beau tempo. Euh, mais là, chute de Wallace, Tiche Benoute et Jens de bûchereux Alors ça... On ne s'y attendait pas <laughs> Ça c'est le, le moins qu'on puisse dire Bon ça ne roule pas trop dans le, le, la première ascension du vieux quarmont. On ne voit pas trop avec les arbres Mais bon C'est qui qui, qui accélère déjà un petit peu C'est Kanchelara Kanchelara qui fait déjà le tempo On est à 146 km de l'arrivée Kanchelara part déjà oh, Il va se relever Oui il se relève Et là il va faire l'effort le, Et là Là ça va être tendu C'est pour deux bûchereux Tige benoute hein elle est regardez, il y a déjà des cassures. je la ah, vous en fait. l'ai dit, hein. Les ah là là, le tour des de flancs c'est... Regardez, on est déjà un groupe de 24. Bac est passé. Cyberg, bon ça va revenir, hein. Yann Stanard décroché. décroché, pris dans une cassure. Tige très loin. Y'a le Wallace également. Yann de Bûchereux qui va très certainement rentrer avec ce groupe, mais regardez... Un Pourquoi Greg Van en est, 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 est distancé ou ça se passe comment Pourquoi la BMC attend est-ce qu'on... Ouh y a Yann Stan... Kwiatkowski est là, favori aujourd'hui hein. Gros favori, victoire, euh, vainqueur de le 3 Beck vendredi dernier. Il est là. Il est là Van h non. Os, Daniel Os. Ah parce que ça serait Daniel Os le leader aujourd'hui. Très bien, il y a déjà beaucoup de lâchés. Regardez le plus... On est déjà plus qu'un groupe de 30. Petit groupe de 30 coureurs. Avec ben, pas nos leaders. et là, il va rentrer. Bien heureusement, par contre, pour Tish Benout, ça a l'air bien mal embarqué. Dans le groupe de Yann Stanart et Garen Thomas qui sont déjà à 9 minutes. A plus de 3 minutes du premier groupe. Donc là ça va être... Euh, ça va être assez compliqué. Bac va venir protéger Jens de Bûchereux. Qui va essayer de récupérer un petit peu. Voilà. Ensuite on a euh, Marcel Siberg là qui protège personne. Qui va peut-être aller chercher... Non non non, pas de bidon maintenant. Euh, Est-ce que ça va rentrer ce groupe Parce qu'il y a quand même beaucoup de retard là. Est-ce que la Sky... Et là la Sky ça serait terrible pour eux. Toute l'équipe est là. Deux. 4, 6, oui toute l'équipe entière est là de la Sky et ils ont déjà 3 minutes de retard sur le groupe des favoris. Nous sommes déjà à la mi parcours. Eh ben ça s'annonce compliqué pour eux aujourd'hui euh, aujourd'hui. Il y a le Wallace et là, il va protéger Tige Benout, hein, euh, écoute. Wallace. Tu fais ce que tu peux. On va arriver au Wolvenberg. En tout cas pour l'échapper. Qui arrive euh, tranquillement 5 minutes hein, plus que 5 minutes vous avez vu ils sont montés à 11 minutes ils sont déjà plus qu'à 5 minutes et c'est parti deuxième secteur et on s'est fait bloquer on s'est bloqué avec jürgen ah il est passé ça va il est passé de est passé mais il faut qu'il tienne un hein. de euh, avec le l'aspect monter descendre il est passé mais ce qui va tenir la tige euh, Benoît Je ne pense pas. Je pense que c'est déjà fini. Regardez, la cassure est bel et bien présente. Venant en dernière position de cette cassure. Le peloton ou étiré Pas de cassure, mais c'est étiré. Ça pourrait casser à tout moment. Regardez par exemple ici avec euh, Gédiminas, euh, Bagdenas. La, la Sky est rentrée. Et nous, ah nous on est là. Ah ça va. Benoît est bien remonté quand même. Il ouais, y a quand la même euh, du, du boulot, de mais il y a quand même beaucoup de boulot. Et la etx qui font déjà un mini 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 mini, euh, mini ravage là ah, Binut il est loin hein. Binut il est très loin ah, Là il va y avoir des cassures c'est obligé, regardez cassures derrière la euh, Dougal qui est déjà en, en difficulté ah, Là il va y avoir beaucoup beaucoup de dégâts sur cette étape Sur cette euh, classique pardon, bon on est habitué hein, autour des Flandres, on connaît. Peter Sagan, maintenant non, un il est champion du monde. Chute de Antonini dans le secteur pavé. Bah ben, il est dernier. Bah ben, lui voilà. Vous pouvez être sûr qu'il va euh, abandonner Antonini. Pas maintenant, mais il, il sera hors délai quoi qu'il arrive et là ça va être lâché là déjà. Hein. Tous ces groupes-là vous pouvez dire qu'ils sont foutus, hein, regardez. Là on est très bien. Benoît remonte petit à petit. Ça fait plaisir. Marcel qui est là avec un plus de 0 pour Jürgen Rulans, 0 pour Debûchereux. Wallace plus 3. Si plus 2, ça lui fait un beau 75. Mais bon, avec son 79, ça reste quand même l'un des favoris. Tige qui est loin. Il est loin, Tige Benout. Bas qui protège bien de plus bûchereux plus Et Roulins qui est très bien. La de la on va arriver au Mullenberg. Et on a déjà fait 4 secteurs. Bon, là, il va falloir un petit peu. N'est-ce pas On va aller chercher des bidons tant qu'on est là. Tige remonte. Ce serait bien qu'il remonte tout au-dessus. il faut vraiment se placer en première position. Là. Alors, on va demander à Marcel Siberg d'aller chercher des bidons. Il y a un petit secteur pavé, j'ai pas fait gaffe ici. Attention aux cassures là en prenant les bidons. S'il si les a, il les a. Il les a, Marcel Siberg. Et ça veut dire que Tige Benoît est remonté. Il est très bien, il est très bien, il a toute sa barre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Jürgen Ruland, il se fait bloquer. Hein. Il se fait bloquer à tous les secteurs, Jürgen. Peter Sagan est là avec son maillot de champion du monde. Jürgen devoir c'est un vainqueur de l'E3 d'Arlebec, pas IRL mais dans le jeu, sur notre preview de Bouchereux, très bien. Il est très bien, Jens de Bouchereux. Limite, il est, il, il est mieux que Ruland de Bûchereux pour le moment. Mais franchement, si Encore De Bouchereux parvient à passer au tour des fentes et on arrive au sprint avec Jens de Bouchereux, ben là c'est Jackpot où oh, il y, oh, y a une grosse cassure on est tous Bon ça va revenir hein Mais il y a une grosse cassure encore une fois Et Ça va revenir ça va revenir il y a quand même 55 secondes Jesse Sergian est-ce qu'il va faire le boulot à fond pour la G2R là La G2R c'est quoi leur leader Garen Thomas est présent Leader de la Sky Oh ouais là c'est déjà C'est déjà très compliqué à 100 km de l'arrivée Là on va avoir un petit moment d'accalmie je pense Peter Sagan qui, qui se place en tête. Voilà, je sais pas pourquoi il fait ça, Peter. Euh, derrière, ça revient. Voilà, c'est revenu. Peloton de 139 toujours. Euh, là, on est très bien. On est très, 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 très bien. C'est le Cyber qui va reculer un peu. Par contre, lui, il a pas besoin d'être aussi bien placé. Peut-être le mettre à rouler, Marcel Cyber. Mettre un, un gars à rouler en mode, en mode tranquille. Euh... Ou pas, je sais pas. Peut-être euh, Cyber protéger Binout c'est mieux à la place de Yellow Wallace on va faire ça minutes. et Wallace va aller rouler un petit peu Oula, un est tombé. Que ça est allez pas Wallace faut aller rouler apparemment il y a une grosse chute dans le peloton Le peloton qui est un petit peu regroupé là ça serait bien que tu ailles rouler putain mais c'est sérieux mais écoute-moi il m'écoute pas le gars je lui dis de passer il passe pas voilà les pavés en redouté. Je connais Allez, beaucoup voilà qui être à la maison alors est. Là on est très bien placé, on peut pas être mieux placé. Là Matteo Trentin est très bien. Voilà est ce qui, est, euh, qui va relayer tranquillement en tête de peloton. Pour dire d'avoir un mini tempo et pour pas que ça... Il suffit de faire un petit écrémage, Voilà on est l'une des, des équipes favorites aujourd'hui à la victoire. Du coup, ben voilà, on, on, on met notre, notre équipe à, à contribution aujourd'hui, et on est très très bien placé et ça, ça fait plaisir. On peut pas être mieux placé là. On met pas encore quelqu'un d'autre, hein. pas encore, ça ne sert strictement à rien. Euh, ils vont arriver à Valkenberg là, et non pas Valkenburg. Lol. Euh, ils ont plus que 2,45. Ils ont plus que 2,45. Uh, Wallace qui fait un très beau boulot. Après, ça va être à Grapple, tout ça, de, de passer au boulot. Bien évidemment. Après, Bach qui, vient qui est plus fort que Bunut, du coup. Mais Bunut est mieux va en vallon, joué. du coup. Voilà, ça se vaut. Surtout que Tour des Flandres, comme un Kwiatkowski qui a que 72 pavés, limite ça passe vu que c'est beaucoup, beaucoup vallonné. On l'a vu à l'E3 d'Arlbeck, il, il a tenu dans les pavés si euh, en IRL. Et dans la dernière boss euh, où c'était pour Puncher, pour réel Puncher, eh ben, le gars il a déposé tout le monde. Il a, il a amené Sagan dans sa roue et il a battu Sagan au sprint quand même. Donc voilà. Alors on est plus que 106. Derrière ça reviendra plus. Hein. Derrière c'est fini pour ce groupe là. Avec Sylvain Chavanel. Qui était euh, un autre temps euh, l'un des, des leaders euh, pavés euh, du monde. L'un des meilleurs pavés du monde. On a également Edouard Tunes. Hein. Le rythme a posé vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Bah il est vraiment fort, c'est pas très fort. On, on roule tranquille là. Et, et voilà, comme je vous l'avais dit. Bah les 100. 60 derniers kilomètres vont être faits en intégralité, voilà. Là on, les 80 derniers kilomètres vont être faits en intégralité parce que il bah, y, y a du mouvement, il y a de... Bon là c'est un petit peu plus plat, mais on va attaquer les monts, les, les descendre, voilà, on met notre équipe à contribution tranquillement. Euh, et ça fait plutôt plaisir. On a une bonne petite course pour le moment, une... assez animée. J'espère qu'en IRL, elle sera aussi animée que le 3 d'Arlebec qui était juste épique. Moi j'ai trouvé. J'ai vraiment kiffé la course. Euh, alors à cette... On va peut-être commencer à... Va falloir commencer à durcir la course là quand même à 78 km. Va falloir commencer à, à, à durcir comme il faut. André Greipel moins de euh, finale. Très bien. Moins de finale pour André Greipel. Alors on commence tout doucement à mettre, à mettre en route avec Yellow Wallace. Euh, Greipel qui... Très bien. Pas aussi fort peut-être. 70 en fait c'était bien encore assez. À... On va mettre à 72, voilà tranquille Et il n'y a plus qu'une cinquantaine, on les aperçoit tout au fond là euh, Alors qu'on va arriver bientôt dans les, dans les derniers secteurs Là on a fait la moitié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plus que 9 secteurs pavés On est bientôt à la moitié mais vous voyez que là Très clairement les secteurs pavés sont divisés en deux On a les premiers, là les 7 premiers et puis les 9 autres euh, Et là ça va partir en... En, en couille Qu'on se le dise Ça va partir en couille euh, Cyberg va chercher les bidons. Allez, Marcel. Euh, on est 105. Est-ce qu'il est tiré le peloton Non, ça va. Donc, les bidons, ça devrait aller assez vite. Euh, mais Wallace qui met un beau tempo. On est les seuls à, à rouler. Et là, euh, Car... les Canaryberg. Les... Canariberg, c'est assez étonnant comme nom. Et c'est Wallace qui met le tempo. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. J'ai peut-être fait une, une erreur là, de demander à Cyberg d'aller chercher les bidons maintenant. Mais là, regardez. Ça fait... Oh, ça fait mal là au peloton. L'accélération de, de notre équipe là. André Greipel qui a pas mal de mal à suivre. Tu vas ralentir un peu mon coco. Et là il va y avoir une cassure là c'est obligé. Ah là euh, Marcel Sieberg malheureusement. Il va avoir beaucoup de mal à remonter là. En plus on, on, on approche du vieux Coarmont. Deuxième passage du vieux Coarmont. C'est fini pour euh, André Greipel. Du coup on va demander à Bag de protéger Rulance. Tant pis de, de bûchereux sera sans protection. Et Cyber, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne avec les bidons. Ouh, attention à la cassure pour Marcel Cyber qui va être pris dedans. Non, ça va, ça ralentit un peu. Euh, là, c'est Wallace qui roule tranquille. Magripel, bah, il va finir sa course tranquille en queue de groupe. Hein. Il peut terminer tranquillou, André et Marcel Cyber, il faut qu'il revienne avant le Quarmon. Hein. Ça, c'est obligé. Ah, et là, ça accélère avec Stephen King. Ah là il va falloir être, euh, être bien. Toi t'as fait ton boulot. Euh, mais là va falloir être très bien. Allez Cyberg là, faut revenir. Faut... Avant le vieux quarmon, sinon c'est cuit là. Allez, deuxième passage du vieux quarmon. Jurgen Rulens qui est très bien. Il a ça roule hyper vite là. Plus 1 pour Jurgen Ruland, Plus 2 pour Jens de Bouchereux. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Très très bon ça. Les Yellow Wallace avait un plus 5 aussi. Il avait un plus 5, Yellow Wallace. Euh... Allez cyberg là. Oh t'y es presque. T'y es presque Marcel. Allez, allez. Oh c'est beau. Juste avant le vieux Quarmont, Allez, allez, allez Oh c'est beau. Au moins Rulance les a eu, On va se faire bloquer encore. On va encore se faire bloquer. Non Non c'est bon, on est passé. Avec Bac qui nous protège. Euh, Est-ce que ça roule Il y a Plus que 40 secondes. L'échappée qui va se faire reprendre dans le deuxième passage du vieux Quarmont, Et là ça accélère. Là ça accélère beaucoup. Voilà, plus d'échappée. Et il y a un petit groupe qui s'est extrait là du peloton. On est dedans. Oui oui, on est dedans, on est bel et bien dedans. Jürgen Roulans qui est très bien placé. Et là ils vont attendre là. Là ils vont attendre mais ça ne roule plus. Et du coup là Roulans il se retrouve tout seul avec deux étiques. E Matteo Trentin qui va rouler pour Boonen On a rejoint JDNXT Tibar qui fait le forcing derrière et derrière il n'y a personne qui roule. Ouh là là c'est quoi, ce... quoi cette couille là est-ce que le, le bon coup est parti On est parti à 3 là. Jorgen Ruland dans la roue de Tom Boonen et de Matteo Trentin. Attention. Il ah, va bah, falloir faire gaffe. va falloir faire gaffe. Il va falloir tenir. Oh on a avec 3 et c'est quoi ça On se retrouve en... <laughs> on est intercalé là. On a avec les 3. Bah nous on a aucun intérêt à rouler hein. Ça c'est logique. Tu vas prendre un bidon toi. Ils sont plus que 29 là. Euh, bah écoutez, bah voilà ils font leur course hein. Et là va... va falloir se calmer. Nous, on n'a aucun intérêt à rouler avec Jurgen Roland. On va se mettre aux la... de... côté de Chibar Et là, Koppenberg, là clairement. Est-ce qu'on a attrapé le bon wagon Je sais pas. C'est Jasper. Non, c'est la BMC qui roule. Bah pour avermaat, forcément. Ouh, on a... on a été pris dans une cassure là. Bon là, Jurgen Rulands, il est plutôt pas mal. On, on va pas se le cacher, il est plutôt pas mal, Jurgen Rulans. Il a une bonne pointe de vitesse. Ça ne roule pas encore de des masses. Il de pourrait de mettre en route, de 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 route de hein, de ils sont 3. 3, de 3, de 3 V1, là. Jasper Steuven qui emmène sa dans sa wide, avec boum, Stannard, Tanking, Drucker, Van Avermatt, Van Mar. Derrière, on a Bach et on a Debucheur et, et Benut. Et là, bah, est-ce que le bon coup est parti Je sais pas, il y a que 25 secondes. Il y a que 25 secondes, c'est pas grand-chose. Il reste encore 43 bornes, hein. attention. 43 bornes, c'est beaucoup nous, on reste dans la route, donc on se crève pas. Et ça y est, on est 16 en tête de la course. Nous, on n'a aucun intérêt à rouler. Très clairement, on n'a aucun intérêt à rouler parce que derrière, on a Jens de Buchereux et Tige Benoît qui peuvent revenir. Donc, nous, aucun intérêt. Oh, mais là, par contre, il faut. Allez ah, là. Devant, ça se regarde un peu. Stationne-mer de en descente. Et 16, c'est beaucoup. 16, hein. c'est beaucoup encore. Il reste plus que 4 secteurs pavés. C'est Christophe qui fait le boulot. On va reculer un peu dans le groupe. Roland, ce qui est très bien. Et derrière, ben, on relaye à deux là. On relaye à deux. Jens de Buchereux et Tige Benoît qui font leur boulot. Parce que Jens de bûcherie il a peut-être une carte à jouer là. Jürgen Land qui recule un peu et ils sont plus que deux ITX là. Oh là là attention, Nikita Frey a été pris dans une cassure et Trentin qui est mort. On est plus que neuf, on est plus que neuf en tête de la course alors qu'il reste plus que trois secteurs pavés. Oula là, il va falloir être costaud, il va falloir être costaud. Il faut, il faut qu'on se débarrasse des Sagan, hein. il faut qu'on se débarrasse des Sagan très clairement. Derrière De fait une belle course quand même. Il est pas si loin que ça, hein, De il est dans un groupe, un très bon groupe. Allez, Roulant, là. Il est dans un bon groupe de neuf. Euh, La ETX roule logiquement pour Tom Boonen là avec JDNX Tibar. Mais quand il sera mort, il n'y aura plus personne. La BMC qui est deux aussi avec euh, Jean-Pierre Drucker qui va se mettre au service de Greg Van Van Là ça roule très vite. Là ça roule très vite. Ça ne peut pas rouler plus vite que ça. Hein. Il va y avoir une cassure là avec euh, JDNX Tibar. Et avec Peter Sagan. Et Sagan par contre il va rouler. Hein. Sagan il va rouler. Boonen ne va pas rouler. Sagan, si on ne fait pas l'effort nous-mêmes, personne ne va faire l'effort là. Et c'est Greg Van Avermaet qui attaque. Attaque de Greg Van avermatt, C'est bon, c'est bon. Ça s'est calmé, vite fait. On est plus que un, un autre à lâcher, c'est Jean-Pierre Drucker, c'est logique hein. Jean-Pierre Drucker, c'est que 73 en pavé. Là on a le gratin euh, mondial des coureurs pavés. Jens de Buchereux va prendre un petit bidon. Il fait une très bonne course hein, bonne course, hein. Y de bûchereux Il va très certainement faire un petit top 20, je crois. Et attention, là, là il y a des cassures qui s'opèrent. Faut pas prendre la cassure là par contre. Avec Kurgen. Notre barre jaune nous fait un peu la gueule. Hein. On va pas se le cacher. Ça pourrait être beaucoup mieux. Mais là, ça roule très fort. Hein. Greg Van Avermaet qui fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il va... Est qu en fait pas même un peu trop Je sais pas. En tout cas, bon, c'est forcé que ça se regarde à un moment donné. Tant que je dénextibarre là, ça va rouler. Ça, c'est sûr. Euh, bon, ça se regarde un peu. Ça se calme un petit peu là. Ça fait plaisir. Le vieux Quarmont. Dernier passage du vieux Quarmont. Dans 1 km. Et attaque Attaque de Tom Boonen à 20 km de l'arrivée. Ah il fallait, s'en il sans douter, hein. fallait s'en douter voilà, là dans, avant le vieux Quarmont, Jorgen roland qui va se faire bloquer par le, par Van de Mark non, Van de Mark qui roule, il fait le boulot Van de Mark alors que Van Avermaet et Tom Boonen sont partis à deux. Est-ce que c'est pas trop dur pour euh, Sagan et Christophe je sais pas, pour roland ça va être un petit peu compliqué de suivre là. Début est bien, toujours. Et là on se fait distancer, on est en train de se faire décrocher par ce groupe. On va devoir ralentir, on va devoir ralentir, malheureusement. là, on va devoir ralentir, même bien comme il le faut là. Ou oh, c'est fini, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas le tour des flancs, malheureusement, avec Jürgen Rulans. Ça gagne cuit. Christophe et Cancelara également ne peuvent pas suivre. Et c'est Tom Boonen et Greg Van Avermaet qui sont partis seuls en tête. Ensuite, on a Seb Van Mark. Et JDNX Tibar qui va pas rouler, hein. fort logiquement. Donc la victoire est devant. La victoire est devant, je pense, entre Tom Boonen et Greg Van Avermatt. Ça va être un duel de titans entre les deux hommes. On est revenu sur ce groupe Ça serait bien que Cancelara se repose un peu On pourrait viser un top 5 Allez là Rolands faudrait Ah il faudrait attacher ce groupe là Mais il roule, il roule. Cancellara. Je vois pas son intérêt de rouler pourtant Prends un petit bidon Rolands Et là c'est fini là Là ça va être tout plat Et là devant ils sont partis Là il est parti Là Tom Boonen oh, Tom Boonen a décroché Greg Van Avermaet Tom Boonen vert une nouvelle victoire, parce qu'il en a déjà remporté pas mal. Il a déjà fait le doublé euh, deux années consécutives. Tom Boonen sur le Tour des Flandres. Ah, mais il s'envole vers une victoire en solitaire. Il a décroché tout le monde, c'était le plus fort. Jens de Bûchereux, je l'ai trop emmené. Mais qui va faire une très belle place, Jens de Bûchereux, J'ai pas fait gaffe. Jens de Bûchereux qui va accrocher peut-être un top. Euh, je sais pas, un top 20. Tige Benoît, il va faire également une belle place. To come back. Euh, bah écoutez, Yannis de bûcherie, il est pas mal. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Euh, là ça accélère un peu à 7 km là. Euh, ça serait bien que ça se repose un peu, comme ça je peux récupérer les gars. Et parce que là on a une place de On a un top 5 à jouer là. Le, le, le podium est fait. Ouais ouais ouais, la Van averman ne sera pas rattrapé. Ah moi qui... Ouh, le doublé pour l'ITX. En tout cas là, de victoire de Tom Boonen. Facile. En solitaire. Tom Boonen qui va s'imposer aujourd'hui. Peter Sagan on a vu qu'il était cuit. Donc est-ce qu'on peut le, le passer Je sais pas. Voilà, ça va se regarder, logique. Non. Voilà, victoire de Tom Boonen en solitaire devant Greg Van Avermaet Et c'est qui qui va choper le podium, je sais pas Qui va choper le podium là Entre Stibar, et c'est Stibar Deux hittiques sur le podium de ce Tour des Flandres Est-ce qu'on va... Ah on va faire que Wichem On va faire que Wichem, hein. écoutez Mais on finit pas très loin la bonne nouvelle, c'est que là, pour la 10ème place, Kens de Bûcherie il peut se calmer. Euh, alors là, on va voir le. Pour la 9ème place, ça va être Lars Boom ou sera Et non, Lars Boom 9ème, Nikitafstra 10 Donc voilà le top 10. Jean-Pierre Drucker, et Filippo Pozzato. Attention, Filippo Pozzato. Ou Jean-Pierre. Bah... Ou Pozzato. Ben bah voilà, Pozzato 11, Drucker 12. On va avoir Hagen 13, on va avoir 2 Bûcheurs 14, 15 Enmigr, 16 Tanart, 17 Tanking, là 18, 19, 20, et là derrière, eh ben il va terminer pas, pas loin, Bac et, et, et Tige Benout. Eh ben écoutez, on fait un top 10 avec Jurgen Roulans. Bon, euh, bon là Molay, il y aura beaucoup d'abandon, je crois. Ça aurait été une course assez dynamique, assez passionnante. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai kiffé. J'espère qu'en vrai ça sera beaucoup mieux encore. Euh, Tom Boonen devant Greg Van Avamed. Est-ce que ça sera le cas en IRL Je sais pas, je pense pas, parce que Boonen n'est pas au top de sa forme. n'est plus, est... Est, plus... est très loin d'être le Boonen des années 2005, 2006, 2010. Allez, gros maximum 2012. C'est très loin de l'être. Ouh, beaucoup d'amendons. Ouh là 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 là. Ouais. Une, une cinquantaine d'abandons je crois. Donc en vrai je miserais sur un Van Avermatt ou un Cancelara. Je pense que Cancelara va le gagner. C'est mon favori numéro un Cancelara parce que c'est le plus en forme. On fait quand même huitième euh, dans le groupe du top 5. Christophe va arracher le top 5. Nous on fait quand même un beau top 10. Sur toutes les classiques, sur toutes les courses qu'on fait on fait des top 10 mais toujours pas de victoire et de pas de job. Il faut, faut se ressaisir là Nicolas. Euh, bref, on se rattrapera sur le paris roubaix je l'espère. Du coup, la Laitix est la meilleure équipe. Nous on est quatrième. Et du coup, voilà, beaucoup d'abandons, je pense. On hein. était 194 au départ. On termine à 145 la course. Voilà. Oh là là, la Rumpout, la Vlanderen. Par équipe, là, il, il doit y avoir des équipes. Ils ont... Oh là là, Top Sport, il termine à 4. La Team cuff, il termine à 4 aussi. La Team Sky, décevante. Hein. Décevante. La Rumpout, il n'y en a qu'un qui termine pour la Rump. <laughs> oh merde Regardez <laughs> Bon, tant pis. Mais il, va, il va se vanter auprès de ses copains. Euh, ouais, je suis le seul qui a fini, Tim Kerkov je suis seul. Ouais, vous êtes nuls les autres. Enfin bref. Donc voilà, le classement final, on a de Bouchureux qui accroche une 14e place. Et ensuite, bah, en plus, ensuite, pas de place. Hein. Mais voilà, top 15 pour Jens de Bouchureux, qui est pas trop mal hein, vu qu'il accepte tant de cette pavée. On va regarder là. 81. 80, 81, 81. 81, 81. 79, 80, 81, 80, 82. On est quand même à notre place. Hein. Quand on regarde, tous ceux devant nous ont 80 en pavé. Et on bat ben, même des Lars Boom qu'à 80. Terpstra qu'à 82. Donc c'est quand même tr une très bonne prestation avec Jürgen Roland. Enfin voilà. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette euh, vidéo, cette course en direct, cette nouvelle course en direct. La dernière classique pavé, ça sera Paris-Roubaix. Ça sera le 10 avril. Donc euh, dans pas si longtemps que ça. Hein, euh, ça sera euh, ben, dimanche prochain. Euh, donc voilà. Donc. À partir de demain, ça sera Pays Basque Jusque samedi, et dimanche, vous avez Paris-Roubaix Le cyclisme en direct, ça ne s'arrête plus sur cette chaîne Bordel de mer. <laughs> donc voilà Ouvrez la description, il y a tout ce que vous recherchez Je vois beaucoup qui me... Euh, il y en a beaucoup qui me demandent C'est quoi ton Skype, ton PSN, tout est dans la description Il y a mon Snapchat, même, il y a même mon Instagram Il y a également mon, euh, mon Facebook, mon Twitch Et mon Twitter Il y a tout ce que vous voulez, donc ouvrez la description Ça sera le paradis pour tous ceux qui posent le question euh, Skype, PSN, Skype, tout ça, enfin voilà et nous, on va se retrouver très vite pour la suite. C'est la dernière vidéo que j'enregistre à l'avance. Je dois encore tourner le Cire aux Actu. Mais c'est la dernière vidéo que j'enregistre à l'avance. Et du coup, après cette vidéo aussi, c'est mon retour en vacances. Et les vidéos reprises normales tournées au jour le jour. C'est-à-dire, demain, lundi, je tournerai les vidéos de mardi. Et je ne prendrai plus d'avance. Donc voilà. Et je pourrai enfin voir tous vos commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien. Enfin, pour la suite. Oui, pour une nouvelle course. <laughs> Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao